Welcome to SFB News people. <laughs> like, share. <laughs> I'm on the street. <laughs> alright, alright, welcome back to SFB News. Uh, malheureusement, not boy LG. Euh, est en vacances. Malheureusement Sur... pour nous, pour lui c'est... Pour lui, pour lui c'est heureusement. <laughs> mais euh, on va parler NBA, euh, hockey, puis un petit peu de soccer aujourd'hui. On va commencer avec la NFL, euh, les deux grosses surprises de la semaine. Euh, on commence avec A-Rod. Les, les deux le affaires point. les plus inévitables, mais qui ne sont jamais arrivées. Euh, Aaron Rodgers, finalement, ils ont fait trade. Euh, je pense que... Comme ils n'avaient pas, les... pas le choix puis à la fin du trade je sais pas sur quoi ils argumentaient mais ça finit pas mal c'est un, un pick swap so, ils ont échangé euh, Aaron Rodgers puis ils ont échangé leur first round pick puis je pense euh, les euh, les Packers ont eu un second round pick avec ça so, en d'autres termes ils ont échangé Aaron Rodgers pour un second round pick yeah ah. puis un, me une, un meilleur positioning dans le dans le draft j'ai trois positions plus haut c'est même pas fou <laughs> c'est même pas fou là look ça devait être fait avant le draft puis le plus, je le plus, trouve que le plus le temps allait vers le draft, plus les Jets allaient être gagnants dans le trade. Ouais, ouais, Comme de fait. Ouais, c'est pas ceux qui sont gagnants, Ils ont eu pour un second round pick. Yeah. Puis là, euh, ça devient-tu la meilleure division dans la NFL? Hum. Mmh. Toi, Josh Allen, Aaron Rodgers. Bill Belichick. Bill Belichick. Ben, non, non. C'est pas... Oh, il y avait une belle division à l'époque. Il y avoir de la compétition, mais je ne sais pas si la, ça va être la meilleure division quand même. Uh, I, I understand parce qu'il y a Still Cincinnati, Ravens. Non, ça, c'est juste deux teams. Ouais, ça, juste mais deux still, c'est une grosse rivalité. Ouais, il y a Steelers aussi qui, qui est emmerdant. Uh. Mais il, il, tu sais qu'ils vont finir 500, soit ils vont faire chier les autres. Anyways, euh, ce côté-là ouais. côté de l'NFL ouais, ouais. est stark. Mais tu sais, à Rodgers, sa première journée, Tyvo Jets, il, il est rentré dans le, le building, il a vu un trophée, il a dit. Et ce trophée-là, elle a l'air lonely by himself. <laughs> comme si Ari Rodgers, pour ce moment, qui est là puis il va gagner un trophée. Yo, c'est euh, juste là pour se faire si tu si, si tu dis des affaires comme ça et tu back up pas ton talk il, il va pas back up, bro. c'est sait même pas s'il va faire les playoffs oh, encore. Il va faire du Dylan Brooks? Vin. <laughs> Vin, yo. On sait tous qu'il y a un playoff. Rodgers <laughs> et Dylan Brooks. Non, mais pour moi, Ari c'est vraiment. Euh, c'est juste pour que les, les Jets soient relevant. Euh, faire les playoffs. Faire les playoffs, c'est genre, c'est le achievement. Là. Il, je pense pas qu'ils essaient de gagner un Super Bowl. Ça va être tough à les playoffs, pareil. Faut que tu le football, best, best third, best, best euh, wildcard team. Ouais, c'est vrai, vrai, mais c'est pour ça que je te dis qu'il est audacieux de dire, oh, oh. Faut que, yo, le, ça, ça va rester lonely. Tu vois, à retirer, les Jets auront pas gagné un Super Bowl. Je suis dead. c'est un hot take. Ça, c'est un pas, hot take. Ariel Rodgers n'a pas gagné un autre Super Bowl avec les Jets. Comme, faudrait. Il est mieux de comme, faire un an avec les Jets parce que son contrat, c'était. Signé puis bouge après comme euh, c'est pas que les jets il va gagner comme un okay. Jones pour moi il, il peut plus gagner un ring il peut plus gagner un ring so disons, disons que la saison commence aujourd'hui ok ouais on a les Chiefs les Bills euh, comme top team genre les Bengals ouais comme top team ouais Bengals les les Ravens mais là les... c'est tout dans sa conférence. c'est ouais, tout non, dans top sa... Top comme top, faut qu'ils deviennent faut qu'ils soient le, so, ouais. qu le wild card faut qu'il soit wild card faut qu'ils soient meilleurs ben, ou, ou juste en bas des Bills, des Bengals, des Ravens, des Chiefs et des Chargers. Ça, il reste trois spots à rentrer pour lui. Ce n'est pas impossible qu'il rentre au playoff, mais faut il faut qu'il soit meilleur que. mais t'as oublié parce qu'il y a une team qui est auto-qualifiée dans la division des Texans. De... Exact. Ouais, sur... Ça, il reste deux spots. <laughs> ouais, non, still. still. Euh... Il compite contre des trash teams, les Colts. Voudrais, comme la exact. question, c'est Aaron Rodgers, dans, dans sa conférence. Il est combien de dans les top QB? Est-ce que tu peux dire il est top 3? Non. Top 5? Mmh. De, de Mahomes? vrai, de, de, de top 5. Mahomes, Burrow, Burrow Josh, Allen, Josh Allen, Lamar Jackson. Tu peux le mettre over Lamar. Uh, Puis toi, je peux le mettre euh, over toi. Définitivement over toi. Mais, mais t'as Herbert toi. qui peut leapfrog, mais il pas en playoffs. So C'est environ la même chose que... <laughs> Il est quatrième ou cinquième? Quatre-cinquième, ouais c'est ça. Il y a déjà comme quatre QB. Easy devant toi. Il y en a 3 clairs. Ça, 100%. Vous devriez être normal. Non, en fait, deux. Parce que Josh Allen, en playoff, c'est Aaron Rodgers. OK, ouais, c'est vrai que ça, on sait. Mais il est still over. Il est still over Rodgers, live. Parce qu'au moins, lui, il y a Diggs, il y a ses weapons, Rodgers. Puis on vient de pick up un tight end dans le draft. Ouais, ouais, mais parce que Rogers c'est qui qu'il y a de vrai? Il y avait Deventer à Adams. Il n'y a pas encore, on ne sait pas qui le, quel receveur il va utiliser. Là. Oui, Garrett Wilson était nice, il a amené Lazar encore, mais c'est mm -hmm. pas trop qu'il va les utiliser. Il, comme, manque weapons, il manque des weapons. il Ça n'a pas trop ça être Deventer à Adams. Moi, Rodgers, je ne le pas. Les Jets, je sais qu'ils vont faire plein de cobs. Avec euh, ah, les, les chandails. -chandail, sell tickets, a, les chandails, sur tickets, les affaires, ça va, être, ça va être full pack. Mais pour le reste, c'est du marketing. Du marketing. <laughs> All right. On va passer au deuxième. Lamar a finalement signé son contrat. 260 millions. J'aimerais ça savoir combien de guaranteed money, Landa? Euh, 185 millions guaranteed. I mean, ain't too shabby, man. T'as eu mieux que le dernier QB a signé. Plus, t'as eu 185 millions guaranteed. Moi, je suis Lamar, je suis content de ça. Non, je pense pas qu'il est content. Il est content d'être millionnaire et tout, mais il a perdu, il, il a perdu du corps. Non, dans sa tête, lui a perdu 80 millions. Non, mais durant le. durant le Avant qu'on le, le, le trade, non, avant que tout ça, la saga arrive, durant le. Avant le début de la dernière saison, on lui a offert environ 200 millions, mais comme. Sur, sur deux ans d'enfant, il y avait un 133 dans la première année, puis il allait avoir le reste comme sur sa deuxième année, mais lui, il voulait tellement le fully guaranteed, guaranteed c'est ça qu'il voulait. Qu il voulait devant 250 fully gar... ou 260 fully guaranteed. À cause de ça, il a perdu un certain montant mais yo. Comme il a fait le coup, il a fait le cob. il a fait le cob. Puis c'était même pas une affaire de l'amour allait pas se faire signer tout le long. Il y Des du monde qui pensait oh il allait bouger. <laughs> le panétait, au... il était en otage, il pouvait aller nulle part. Les... la ligue se sont arrangées pour dire OK, on donne pas à l'amour ce qu'il veut. Comme ça, on va pouvoir euh, baisser le market pour les QB parce que si on lui donne 230, 240, 250 là, millions, Bureau arrive à faire la même chose, peu va faire la même chose, euh, chose Marron va revenir faire encore pire. sur so, les gars, c'est comme non. Mais la moi à la fin, il y a le style à, euh, à avoir son cop à The End of the day. Puis je pense que les Ravens, ils étaient vraiment comme on a fait ce move-là pour qu'une autre équipe lui donne une offre. Mais ils allaient toujours match. Je pense qu'ils allaient match. Ils ah, n'allaient il pas le laisser partir. Ouais, ça, ils n'allaient pas le laisser partir comme for free. Puis, il y a des weapons. Il y a Andrews, y ouais. y a OBJ. C'est ça. Ils ont dit, OK, we're sorry. <laughs> on on t'a fait chier. On va te donner Odell. On a draft un, un wide. First round pick, tu as un wide. Tu as encore Andrews. Tu as Richard Batman Tu as Dobbins. Comme tu as un offense. Tu as un offense. Comme... Ah, tu peux pas chialer. Ouais, D'habitude, les Ravens prennent des défenses. Cette année, ils ont dit, yo, on t'a donné les weapons. On t'a donné ton cob Maintenant, montre que t'es genre. Maintenant, donne-nous un MVP season. Donne-nous un Super Bowl, c'est ça qu'il veut. Oh, Super Bowl. Super Bowl, yeah. Super Bowl. All right. euh, Je voulais aussi parler un petit peu de, de, du move de Houston. De tr double trade-up pour le second and third overall draft pick. Euh, moi, j'ai trouvé que c'est un gros move. Ouais, ouais. Ils sont allés chercher le meilleur edge rusher euh, du draft plus le deuxième meilleur QB du draft. Selon beaucoup de gens, là. Il y a des débats entre Strauss et Young. Mais durant la semaine, là, tout le monde était comme Stroud. C'était euh, pas. Comme son stock descendait, là, parce que ce qui paraît d'un dans dans un test, comme ce genre un IQ ouais, test. Un, cognitive test. Ouais, il était pas bon. Puis le gars a dit Moi, je suis pas un gars de test, je suis, comme, je suis un gars <laughs> comme sur le, je suis un border, sur le field. Mais là, tout le monde parlait de genre le, Levi. Le... Ah, c'est lui qui a eu un gros stock plummet. Mais qu'est-ce qui s'est passé Il, il, il a, a, die. Die. Il a Mais tout le, monde, tout le monde pensait que c'était allé de Levi, le deuxième quarterback. Euh, moi, je savais vous allaient draft le D-line, le, le, le -line, linebacker. ouais Will Anderson. ouais Will Anderson. Mais le QB, j'étais un peu… J'étais choqué. Ils ont vu le QB, j'étais comme « What? » Moi, je pensais qu'elle allait être number 2. C'est ça, je pensais qu'elle allait être number two Will. puis après, ouais. faire de quoi après pour, pour peut-être avoir un QB. Mais non, ils ont, ils ont trade-up pour leur QB. <laughs> ils ont retrade-up avec le, le pick qu'ils ont utilisé pour trade-up. La première fois, ils l'ont utilisé dans le deuxième trade pour retrade-up. Troisième. Ouais. C'est quand même fou. C'est un gros move. Euh, Houston a eu deux gros joueurs, euh, faut pas oublier le first overall pick aussi qui a eu, euh, ils ont eu qu'est-ce qu'ils voulaient, la Caroline. Ouais c'est un bon joueur, t'as tout tué pour être premier, mal... j'espère que tu prends ce que tu veux. Yes sir, <laughs> Puis euh, on a pas trop suivi le draft là, on a suivi, on a suivi nos équipes, mais ouais. on a pas suivi le draft overall. Moi je sais, que les, je sais juste que les, les, les Eagles, oh c'est la God. team, toi les, comme tous les joueurs qui sont partis Free Agent, ils ont pris des studs pour les remplacer genre. Il euh, y a des gars qui sont forts comme le Carter, le D-line. La pire équipe, tu pouvais le laisser tomber. Ah, je sais qu'il y avait des issues, genre comme légales et tout. Tu peux pas laisser ce gars-là tomber, genre au, au Eagle. C'est déjà que l'Eagle a une bonne D-line. Oh, puis là, ouais, tu, yeah. tu mets ce gars-là avec Fetch a Cox. Oh, son stack, ils, ont genre deux, ils ont genre des rushers qui ont comme deux yeah. rushers à toutes les positions. Yeah, ils sont, faux. Juste, faux. sont juste naïfs. Je nazis. pense que le draft pour moi, le meilleur draft, c'est les Eagles. C'est eux qui l'ont fait. Euh, de ce que j'ai vu là, j'ai pas regardé les autres rounds mais les deux premiers rounds c'est les égaux. Mais Saints ils ont pas fait grand chose. <laughs> On a pris un D-line. Moi je sais que mes Bills sont allés chercher un Tyden puis un all line. Le le Tyden le, le meilleur Tyden là que yeah. tout le monde est hype à propos. Le meilleur Tyden kincaid. puis euh, un Yo, les gars ils ont besoin de running back, man. Je running de... back. Go sign, <laughs> sign a running back. So ont déjà Tyden the euh, Croft. Ah, S'il bah, vous plaît. Non, celui qui fait Dawson. Ouais, il a yeah, bon, pas payé. Dawson, il mais... pas ça Mais c'est pas ça, ils ont besoin, besoin d'un running back. Anyways, euh, t'avais dit quelque chose d'autre à ajouter pour la NFL Non, non. NBA. Euh, Oduka est le nouveau de coach des Rockets. Qu'est-ce que t'en penses bon, C'est un bon un bon, une bonne acquisition pour les, les Rockets. Il a fait une saison avec les Celtics, il est allé en finale. Euh, on sait qu'il y a des issues off the field le gars a besoin de forme but comme s'il si amène un defensive identity puis comme il sait ce qu'il fait genre il a coaché en de um, Greg Popovich so, c'est bon c'est acquisition puis les, les les Rockets commencent à avoir certains joueurs il y a quelques pièces qui devraient être dans, pas dans, dans la team je les filme pas ils ont besoin d'un vrai point guard du draft aussi ouais, c'est ça Pair avec euh, Julian Green mais ils ont un centre puis ils ont Jabari Smith qui sont, ils ont bien draft quand même les deux deux trois dernières années so. moi je trouve c'est c'est bon les stocks les stocks sont hop les, les Rockets ils vont monter je dis pas qu'ils vont faire les playoffs là mais ils vont mais ils vont, ils vont commencer à redevenir relevant ils devraient pas être dans le tank l'année prochaine là comme ça serait fucked up puis euh... Vu qu'on parle de coach, j'ai vu que les Raptors ont, ont payé ou ont parlé avec les euh, WNBA teams. Ah ouais, ils veulent... Euh, c'est quoi, Becky Ahmed. Ouais, je pense, c'est ça son nom. Ouais, euh, c'est ça, ils veulent, ils veulent parler avec elle pendant que... Qu'elle devienne être coach. Ouais, être coach les des Raptors. Raptors. Alright, moi j'ai rien contre ça, mais cest tu la meilleure candidate possible on the market live? Mais elle n'est pas vraiment on the market parce qu'elle a un une team. Ouais, c'est ça, mais... Euh, mais la NBA te, la NBA te call. Ah ouais, que... J'y vais. Là. Moi, je suis j'y vais. Moi, ouais, c'est un no-brainer. Ça dépend qui est dans la team aussi. Je ne vais pas aller dans une team. Puis la team est trash. Puis après ça, on va dire parce que c'est une femme. Puis. Euh... <laughs> non, je vais aller dans une team que je sais que c'est du sérieux. Là. Comme puis on, on back. Là. Je ne vais pas aller. Ah, ouais. Qu'on me donne une chance. Qu'on ouais. euh, qu ne check pas. pas quelque euh... chose dès que la première chose qui arrive, tout le monde veut mon mater, là Je veux <laughs> qu'on back. Comme ça, je pense pas que ça va être les, les, avec les Raptors. Euh, moi, je pas les Raptors. <laughs> Je pourrais pas les Raptors non plus si ah, j'étais... Ouais. Si tu étais si en bas de 500 avant le, avant le ouais. Winter Break, mon gars, yeah. c'est sûr que... Et en plus, le les Raptors, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont je pense, 20 ben blitz, free agent, FreeAgent, Gavitran... On Un équipe pour complet, là. Ouais, non. La, la team est en shambles. Le seul qui reste, je pense, c'est Scotty Barnes, puis... Euh... Ouais, Scotty Barnes va être là, je pense Siakam, puis peut-être OG. Puis that's it. Ouais. Euh, ok, on va faire un petit quick recap la first round des euh, playoffs. Les box, bro. Les box. Laurent! Non. Vrai, je vais dire, dire, avant, je vais dire shout out à Jimmy Jimmy Buck. Him. Bucket. Jimmy? pocket, Bucket? Euh, J'avais dit, yo, même sur Janice, vous n'aurez jamais été aussi bon que j'ai dit. Même sur Janice, les gars, devaient péter les Miami. J'aurais cru que Holiday et Middleton ont été capables de step up? Yo, non, mais. Le Miami qui a joué là durant les playoffs, c'est pas Miami qui a joué cette saison. C'est ce que... le Miami qu'on pensait qu'il était capable de jouer. Ouais, cette saison, j'ai jamais vu cette version de Miami. <laughs> bon, vous ce c'est même pas cette version de Miami. C'est cette version de Butler. Parce que vous devriez, si c'est pas de Butler, ils sont pas là. Le reste de la team, personne n'a rien fait. C'était Butler by himself. One on five. We know that Jimmy Butler Yo. show up playoff time. Ouais, je sais. One on five. C'est pas comme si Laurie a dérangé, Bam a pas dérangé. Il y a eu des moments ah. où que les role roleplayers ont oh, fait des points ouais, comme Strauss. Il pas assez. Bon pas assez. Comme pour gagner, quand il a fait la game 55 points, c'était hold him. Put comme, the team on my back. Tout bag. seul. Yo, le gars était double team pour aller en OT. On l'a lancé genre genre de aller où puis à Stis Coré. Donc, bro, qui paraît le coach faisait un play pour quelqu'un d'autre. Il a dit non, let me be the guy. Donne-moi la balle. Puis, les, le coach, moi, si je voudrais le coach de, 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 des box de se faire foot dehors, là. Boudenhauser. Comment tu double team pas avec Jimmy? Ah, ça c'est la... la bonne question. Après qu'il t'a checké 55 points, je peux comprendre, qu'il t'a cook le 55 points. Ah, right, ok. Là tu sais qu'après ça, c'est une game pour taille, pour aller. Tu es en train de perdre 3 à 1, là. Ah, c'est uh, game on the line. Game on the line? Non, c'était 3 à 2 à ce moment là je pense. En du tout coup. cas, game on the line, es supposé, es ok. Le partenaire est en train de nous cook. Il so, que ça soit le saineux. Yo, double team. N'importe qui d'autre peut nous battre sauf Jimmy Jim. Bodleux. Non, le gars l'a laissé cope, easy, Allidé pouvait rien faire, Merloten euh, pouvait rien Melton faire, <laughs> faire. Janis pouvait rien oh, faire, Janis a essayé. Parce que les gars comme ils prenaient un screen, ils prenaient un screen, euh, les gars c'était soft sur les screens switch, ok, il abuse de mismatch qui a. Euh, bon, euh, comment s'appelle? Lopez faisait du drop coverage, mais bon, euh, fallait juste le double team le faire donner la balle à n'importe qui bon, d'autre. Fais-toi par Strauss. S'il ouais. faut que tu perdes Au pire, au pire, ouais. S'il faut que tu perds par des threes à cause de Strauss, fais-toi fais battre par Strauss. Voilà. Euh, Les gars n'ont pas joué Quar 2. Non. 2 qui est un gars en playoff, tu le vois toujours. Il fait defend, shot de 3 points, c'est ça son rôle. Le gars est venu prendre des DNP en playoff. So, le... Moi, je voulais revenir parce que Laurent a tout le temps parlé euh, du Big 3 de, des boxes. Euh, Sans Janice, la première game. La, la première game, la deuxième game. De... Deuxième game, deuxième, 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 troisième game. Ouais. Euh, t'as vu que les box ils pouvaient pas ben alors, ils en ont gagné une ils ont gagné une puis la deuxième ils ont vraiment pas eu de contest j'ai me fire ils ont dû ravoir euh, Janis pour la quatrième game puis la cinquième game euh, ça a rien changé euh, sauf so moi ma question est est-ce que ce big three est encore un big three Ben, c'est jamais un big three merci mais la team la team est style comme boosté genre c'est ouais, bon. vraiment ça, Ça c'était bad du, luck. Non, c'est direct coaching. Ça c'est <laughs> même pas bad luck. Comme, oui, Jimmy Bolleux, ils auraient pu se perdre, mais ils auraient été capables d'aller en 7 si le coach avait fait des ajustements. Genre, comme, Tu vas laisser quelqu'un qui te check un 55 points. <laughs> Tu as 55 points, là. puis la game d'après, tu n'as fait aucun ajustement. Tu es encore le grade avec le même gars que s'est fait de mmh, À part la game qui sont sense. fait smack, euh, 121 à 99, ouais. tu as tout le temps fini close leur game. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment comme tu as dit, euh, y a un double team de plus ou deux double teams de plus, puis tu gagnes la game. Ouais. Ça, on a vu euh, Trey Young. Trey Young a fight pour essayer d'aller amener la game. Non, ils sont, ils sont perdu en 6 ou en 7. Ils sont perdus en, en 5. C'est a gagné deux games de suite. Euh, C'était la... en 6. Ils ont essayé d'envoyer de la game en 7. Euh, ETL. Too late. Ouais, C'était too late, mais ouais. cette saison, euh, hockey, basket, je trouve les équipes euh, les équipes qui sont comme au point de se faire éliminer comme ils jouent un fight. Genre, comme, tu vois que tu penses que c'est fini, puis les gars arrivent, ils gagnent la game comme des gros upsets. Ça a rendu les, les playoffs vraiment excitants. Au début, j'étais comme, yo les games sont plates. Puis, puis là, il y a deux équipes, j'ai vraiment été comme, déçu. C'est Cavaliers. Ils n'ont rien chaud. Vraiment déçu, les Cavaliers. Ils n'ont rien chaud. Hier, on va parler de eux tantôt. Euh, fucking Memphis. Memphis, <rire> rien <rire> chaud. Dylan Brooks. <laughs> Ghost. Mais tu sais, je regarde euh, Anthony Edwards oui. avec les euh, Minnesota. A a que, du fight. C'est ça. On savait qu'ils allaient perdre, mais il y a chaud un fight. Euh, la même chose avec Trey Young. Il, a, il a gagné deux games. Pour y il, y a vraiment, il y a vraiment Start Cold, par exemple, Trae Young. Au, ouais. au début des playoffs, il n'était pas capable de rentrer ouais. 3 for his life. C'était tout des gens de, de murray qui faisaient. Puis la, la, game, la game que je trouve qu'ils ont perdu, tout espoir, c'est quand je t'ai texté. Puis j'ai dit, qu'est-ce que des gens de fait murray avec 0 points au half ouais, C'est la game qu'ils ont perdu. C'est la game ouais. que, est la ouais, il, ouais. Des gens de <laughs> avait murray avaient 0 en ouais. 7 ouais. au half. Faisait aucun sens. Il était 0 from 5 from the 3, pis il, il y avait deux, deux mid-range qui avaient raté. J'étais comme bro. J'ai mis ce gars-là over 20, puis il y avait 0 points waf. les gars l'avaient avait lockdown, man. So euh, les, les, les Hawks, encore un autre disappointing playoff run. Ouais. Ça fait quoi, le 2 en 3 ans? Je pense que c'est 3 3. Oh, one, non, one. non, il y en avait un qui avaient fait un run. Depuis qu'ils ont fait le run, puis tout le monde pensait que les, les, les Hawks étaient le next, next big thing. Ils n'ont euh, rien fait euh, depuis. De de Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Les euh... Kings, les Warriors. Warriors, game 7. La meilleure série de la NBA live. Ouais. Game 7, les Warriors ont réussi à finalement gagner une game away. <laughs> tout le monde pensait que c'était il fini. Ils retournent à, à, à Oracle Arena. Et ils choke at home. Puis oh, les gars ne sont pas venus jouer. Bon. Les gars ont zéro énergie. <laughs> Euh, premier quart, yo, même pas dans les 5 premières minutes, je suis au travail, je regarde le feed le, 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 le score, je vois Keegan Murray trois rebonds, Sabonis, deux rebonds, euh, Fox, deux rebonds. Je vois tout le monde a deux rebonds, je suis comme, ok, tout le monde voit des breaks je regarde The Warriors, tout le monde a zéro. <laughs> il y avait comme 3-4 minutes qui étaient passées là, so je suis comme, il y a beaucoup trop de rebonds en si peu de temps. Pis, comme dès le premier quart, tu as vu que... Les gars des Kings, ils, ils allaient tout ramasser. genre. La game a commencé genre 12-0, Niki. Ouais, non, c'était. C'était brick after brick after ouais. brick. Mais euh, moi, je vais aller là. Je vais aller un petit peu plus loin parce que on a vu trop de low scoring game, first round. On a vu un 79 points des Cavaliers ce qui était la pire. Non, performance. mais ça, Va que cette série. Cette était trash. Ok, mais on a vu un 85 points de Memphis. Yeah, ouais, non, ça c'était dé décevant. On a vu un 89 points. On a vu un 95 points comme c'est vraiment ouais. des, des, des comme la team a juste trop de teams ont pas show up une certaine journée. Ouais, mais ça en playoff, saison puis play c'est tellement différent. Les gens ont des game ils savent comment arrêter des joueurs. C'est là que tu vois, en saison, les gens s'en foutent là, ils mettent pas ouais. l'en face sur la défense. C'est comme ah notre offense est meilleure que la vôtre puis c'est ça qui est ça. Mais euh, je pourrais dire, la Warriors, eux, cette série-là, elle a été vraiment offensive. Avant, hier... Le salaire était boosté. Hier, les Warriors, je pense qu'ils ont fini à comme 99, 80... 99 hier. Mais que Curry est venu jouer, que est venu jouer, mais c'était pas efficient. Jordan Poole, comme en série, je pense, je trouve en playoff, il est pas jouable. On n'a pas encore vu, vraiment, Jordan Poole. il n'y a pas eu de Poole Non. Mais Poole il est pas jouable quand la team est capable de... Quand tu dois, il doit défendre, tu ne peux pas jouer Johnny Poole parce qu'il se fait cook tout le temps. Et après ça, il force des choses, il fait plein de turnovers. Johnny Poole doit jouer contre des équipes qui savent que quelqu'un ne peut pas l'attaquer. Dès que Johnny Poole est sur le terrain avec Kirby, tu peux déjà attaquer les deux. Mais c'est fou parce que Johnny Poole est pire que Kirby en défense. <laughs> sur so. so la question, Nikki, Game 7. Moi, j'avais dit, Warriors, faut que Warriors gagne, Warriors doit gagner en 6. J'ai encore Warriors en 6 parce que j'étais comme ils vont gagner une OW. Mais là, ils l'ont ils ont, ils gagné, ils l'ont perdu. Mm. Euh, je ne pense pas qu'ils gagnent deux fois. À... Deux fois oui C'est la même série. téléchamp Téléchamp. Il faudrait que je vois quelque chose de vraiment différent dans leur line-up. Là. Si je vois ben, comme Jordan Poole sorting line-up encore, je prends les, ah, je prends les Kings. Les kings. <laughs> je prends les Kings. J'ai besoin de voir comme un Gary Payton. Comme dans cette, dans cette série-là, c'est... Y a Personne qui peut garder Fox dans les Warriors, non, mais j'ai vu Malik Monk mettait des numbers aussi. Ouais, mais c'est une game sur trois. <laughs> euh, so, mais Fox, c'est le gars qui est constant. Puis la game, ils ont perdu. Fox, il a mal shooté parce qu'il s'est blessé à la main. Euh, mais il n'y a personne qui peut arrêter Fox dans les Warriors. So, Gary Payton, vous êtes allé le rechercher dans les pour jouer en division Fait le start, fait que fait le jouer. Si il ne peut pas jouer, comme ben, vous êtes off parce que il a il n'y a personne qui peut arrêter Fox, puis Fox, il peut faire 35 points quand il veut. 35 points double-double. Moi, je mets Light the Beam. Game 7, je prends les Kings to uh, the de Je ne vais pas dire Kings parce que je suis un gars Warriors, j'aime bien les Warriors. C'est les champions, il faut leur donner le. le, le Ils credit. ont DNA. Mais, comme je te dis, j'ai besoin, besoin d'un line-up change. J'ai es que... besoin de voir quelque chose de flagrant. Ouais, quelque chose de flagrant pour voir qu'ils essayent, là, parce que. Je pense que les Warriors, dans leur tête, ils étaient comme Ah, oh, c'est pas grave, il y a un Game 7. Puis dans un Game 7, peut-être que les Warriors ont un avantage parce que les Kings, c'est leur première fois. Euh, mais sinon. Bro. T'as pour là ça a une grosse game. C'est demain, ça euh, Ouais, c'est demain. Euh, non, de, dimanche. C'est ça, demain Ouais, c'est ça, demain. Ouais. My bad. Um, Alright, ça nous amène à la dernière série. Euh, C'est Tout bad que Laurent est pas là parce qu'on aurait bien ri. Tu mais... aurait été content. Hier là, un party, mon cher. My God, oh, avec ouais. quoi qu'on commence Dylan Brooks ou la performance de Anthony Davis mmh, Anthony, Anthony Davis, ça a rien fait je trouve. Quoi. Anthony Davis, d'après moi, offensivement il n'a rien fait. Ça fait... défensivement oui. Défensivement le gars était partout. Euh, le gars faisait comme environ 5 blocs comme par. Il, game, il y a des blocs, ils contestaient des threes, ils étaient partout sur le terrain. Mais quand je dis Anthony Davis, ça n'a rien fait, c'est pour dire. Les Chris Davis, ils n'ont juste pas chaud. Ils n'ont pas chaud, non, il n'y a pas eu besoin de rien faire. Je suis d'accord avec toi. Les gars, ont pris l'identité de, 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 de Dylan Brooks. C'est quoi les gars avec Dylan Brooks, je 30 ils, points pour gagner Ils ont dit I'm out. Yo, j'étais au half, puis je regardais. Les gars, partaient perdaient par 17. Déjà là au half. Mais je suis comme, qui a le plus de points d'Elon Brooks Tu sais combien il y avait 10. Ils se sont place. fait smack par 40, Nicky. En playoff Non, mais le ça aussi, c'est un autre problème de coach. Yo, tu perds par 17. Ok, tu perds par beaucoup. Mais au moins, c'est au plus half. Tu commences le second half avec une énergie. Tu fais un 5 ou un 7-0 run. Puis tout de coup, tu perds par, genre, par 12 ou par 10. Yo, ça on voit ça tout le temps. Puis tout de coup, tu peux jouer toute la game. Yo, les gars arrivent. Jamoran shoot une vieille 3 points par rapport. Bain shoot une vieille 3 points. Puis l'affaire avec les Grizzlies, c'est leur half court offense trash. Comme eux, c'est vraiment prendre des rebonds, courir cause cost to -course, faire des points. Dès que la défense attend ce set-up, il n'y a personne qui peut. Il n'y a personne qui a un mid-range. Il n'y a personne qui peut créer sa propre shot. Même Jamoran, son affaire, c'est dribbler le gars, aller dans le paint, faire un crazy layup, tomber. Beaucoup de, beaucoup de crazy layup. Mais voudrais, le coach. Tout le monde a give up. Le monde a give up. Ils ont commencé le second half. Ils ont atteint trois shots, Anthony Davis ça fait deux blocs. Okay. C'est fini. <laughs> c'est fini, tout le monde a bouge, bro. Yo, comment t'es au playoff et tu me dis au 4 et un quart, auquel des they stades de jeu, où tu vois ça, bro? Ça, euh, c'est ce, ce, fucked up parce que <laughs> c'est ta dernière game. Yo, les gars, quit, quit. C'est ta dernière game, le quit. coach a dit, hey, « c'est chill, bro, on s'en va quit. à la maison. » Non, it. It. ils ont quit comme Dylan Brooks, voulait ne pas parler ah. aux, aux interviewers. Dylan Brooks. Dylan Brooks. Il a le poke de bear. bear. Non, mais, yo, a ça n'a même pas bear. poke le bear. Comme LeBron ah. a legit dit, tu es un gros fat zéro. Non, je sais. Ça, ça sert à rien que je perde ma salive avec toi. Non, mais tu vois, s'il y aurait été genre, il n'y aurait rien dit, il n'y aurait peut-être plus de catch par surprise. Mais là, LeBron était comme non, ce gars, est trop fréquent. Ah. Je ne laisserai pas gagner. Même si tu devais gagner, yo, oui, on va vous, on va vous péter. Comme <laughs> <genre>. LeBron <laughs> est arrivé 6 heures avant aujourd'hui, pratiquer sa shot. Il bon, n'y même pas eu besoin de shot. Il n'y a même que pas eu besoin. Ça. Bro, non, c'était top. Top, top à regarder. Je sais pas si tu l'as vu, mais le... il, y a, il y a une fois Dylan Brooks a attempté une shot, il s'est fait bloc stuff par Eddie. Puis LeBron était juste à côté. Les deux, après qu'Eddie le bloque, les deux l'ont step. Ouais. Dylan Brooks a juste. Yo, regarde Dylan Brooks là, on sait pas, mais il y a un chandail de Lucas. Bah, on ne se voit pas ça. Chaque shot qu'il prenait, Lucas était comme, my boy, yo, let's go, let's go, shoot. Let's go, shoot, shoot <laughs> les gars le laissaient tout seul, puis lui il shoot vraiment comme, bro, arrête là. Yo. Chaque chose que tu faisais, un... ça, j'ai vu ça sur Twitter, c'était chaque fois que euh, Dylan Brooks fait un, un shot, c'est un nouveau <laughs> C'est un nouveau qui vient de se passer. Je me, je me rappelle quand Draymond Green a parlé euh, sur son podcast de Dylan Brooks, ouais. quand il y a eu la petite euh, rivalité ouais. hein, Memphis puis Golden State. Mm. Puis, <laughs> après, qu'est-ce qui s'est passé dans cette série? On peut légitimement dire que Draymond Green, tout ce que Draymond Green a dit était facts. Non, mais parce qu'au moins, Draymond... Euh, Uh, Jamon Green amène quelque chose d'autre à la game. Oui, il fait des, comme des affaires fucked up, il, mais euh, il ne fait pas tant de points. Mais moins il, 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 il fait des assists, prend des rebonds, fait des... Dylan Brook est juste sous le court, bro. Comme... Inutile. Ok, il y a un pride, puis il est prêt à jouer contre le meilleur, le meilleur scoreur, mais c'est tout. Il doit commencer à apprendre les Chinois parce qu'il va aller jouer en Chine ou au Japon bro, dans le ballon. Ouais, il va aller faire des tubos de double au Japon. <laughs> À la Douaït Award. Uh, en tout cas, pour les Memphis, ils sont vraiment. Eux, là, cette off-season, comme ils doivent se regarder dans le miroir, oh, ils ont des, des changements à faire. All right. So, on passe second round prediction. Euh, la première, ça serait entre les 76ers et les Celtics. Who euh, you got? Bon. Les Box, j'avais les Box pour aller en Conference Final contre les Celtics à la base. Déjà, il n'y a plus les Box. Maintenant, les. 76ers devraient se dire, eux ils ont eu un bon. Je pense que ça fait une semaine et demie qu'ils jouent pas au basket. Oh, bro, ça fait longtemps que j'ai pas entendu le nom d'Embi. Yo, oh, les gars ils ont eu un break. Embi, ça avait blessé. Je pense qu'il va devoir jouer avec un Brace. Euh, il va devoir jouer avec un Brace. Parce qu'il avait même pas joué la, la Game non. 4 à la base. Non. Il va devoir jouer avec un Brace pour la prochaine série. Les sorties que je les ai vus un peu chambrolant parce que ils auraient, eux aussi ils auraient dû close en série assez tôt. Mais suis un Boston guy, so. Bon, je suis obligé de prendre les. Toi, t'es obligé. Celtics. T'as trop de cousins à Boston. qui de, Si tu de... prends quelqu'un d'autre que Boston. Te tu te, 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 fais... te, je, te fais... je suis pour <laughs> bon Boston pour toi. Même moi, ok, je suis Boston. T'es juste patriote, j'aime pas. Ah, euh, personne euh... devrait aimer les patriotes. Euh, mais c'est ça. Euh, J'allais Celtics en. 7 parce que, pour le ce que j'ai vu avec KTL, à Kitty Hill, ils n'ont pas été capables de les battre en, en 4-5. Ça veut dire qu'ils vont. Comme ils n'ont pas le. T'es avec Udoka, je pense que Udoka, c'est est meilleur que le coach qu'ils ont live. Defensively. Defensively. Puis il était capable de dire à la, la team, ok, non, comme quand vous prenez un run, et puis vous pouvez faire les puis puis de redonner l'énergie à la team pour qu'ils step up sur l'autre game. Ouais, mais quand j'ai vu quand Etiel, les gars gagnaient par 10, puis tout de coup, Etiel est back. So j'étais comme non, So on va aller en 7, c'est 7 en 107 J'aimerais ça pour tes cousins, puis pour toi que Boston passe. Mais... Le match-up est, match est juste trop favorable pour les Sixers, man. Il n'y a personne dans le paint. Comme je je, je m'excuse. Al orford peut pas. All-Orford check des problèmes à Embiid. Je suis bon. d'accord. Ça n'a ça ça pas rapport comment All-Orford euh, pose des problèmes à Embiid. Mais cette série, entre, entre Brown, Tatum, contre Arden puis Maxi, je donne le côté Celtics. Mais dans le paint, I'm sorry, tu n'as pas d'Embiid. Ah, mais tout le monde sait Harden, c'est un no-show en playoff. Ah, ah, dans les games importantes là. Ok, I get, so... I get that, mais je, je prends still les Sixers en six J'ai Arden à struggle pour faire 20 points contre les Nets. Hein. So, si T'as besoin de MB. MB, il va faire son 30 points. Maxi, faut il faut qu'il fasse un 25. Ouais, il faut que Maxi ou Arden. Mais l'affaire, c'est que les Celtics ils peuvent still te sortir un Brockden. Les Celtics ont plus de gars qui peuvent venir aider à la cause que les euh, que les Sixers. Sixers. Je suis d'accord avec toi, mais ils n'ont pas une beat. Mais ils n'ont pas une beat, ouais. Mais moi, je, mais moi je fais juste pas trust Arden, c'est le problème. Euh, euh, moi, imagine Harden qui faisait des triple doubles comme 40 points, je ne trustais pas. Imagine Harden maintenant Yo, qui Si Harden si, si Arden, part part pas, je le fous sur le banc, je mets Tobias Harris, Maxi. Ah, ça n'est jamais arrivé. Donc, Rivers, il n'y a pas, pas, pas de base comme ça. Bon, next, next euh, prédiction: Heat contre les Knicks. Oh. C'est Rick, personne ne pensait qu'elle <laughs> est C'est vrai, c'est vrai, it's fact. Euh, Je pense que tout le monde avait genre Cavaliers contre. Euh... En tout cas, il y, avait, sûrement il y avait des Knicks fans, mais je pense que c'était Mi définitivement Milwaukee versus. Quelqu'un. Contre un de ces deux-là. Ouais. Euh, là, les Knicks ont dominé Cavaliers. Mm. Mm. Mais je pense. Puis les Bobs. Ben, Miami aussi quatre a dominé Loki, ils ont gagné comme 4-2. 4-1. 4-1. Il y un contre un injured works, ouais. mais still... Je vais prendre Miami parce que Miami a chaud. Ils ont battu la meilleure team. Ils ont chaud que leur star peut leur donner 55 points. Euh, faut juste que les autres viennent jouer. Là, c'est un match-up qui, d'après moi, est beaucoup plus facile. Malgré, j'ai vu que les, les Knicks, ils ont vraiment comme dominé défensivement les Cavaliers. Mais je pense que les Cavaliers n'avaient juste aucune exécution. Oh, Loveur n'a rien fait. Mitchell n'a rien a fait. fait. Toute leur star n'a rien, rien fait. n'a rien fait. Euh, mais c'est pas Jimmy Bucket ouais je pense je pense pas ouais, c'est ça Bottle peut, peut, peut scorer sur pas mal n'importe qui, qui qui là je dis pas qu'il va faire des 55 points parce que le coach de, de de Knicks va pas laisser ça arriver il va sûrement il va commencer la série à double Jimmy ouais double Jimmy so, si vous voulez parier calculer déjà Jimmy genre en double deux. double ou genre des assises dans ces assises rebond assises c'est là il va devoir chaud puis Bam va devoir chaud euh, dans cette série là parce ah, que yeah. Mitchell Robinson puis Randall. Yo les gars sont là, ils couvrent bien le paint, mm -hmm. mais on va je vais aller avec un, un Miami en 6 parce que les Knicks oui, ils ont bien ils ont bien joué mais ils, clairement c'est les Cavaliers qui étaient pas ready. Euh, malheureusement, j'ai pas le choix de mettre les Knicks en 7. La seule et unique raison pourquoi je mets les Knicks en 7 c'est le home field advantage. Et là je trouve que cette cette game là est vraiment tête à toutes les positions, à part Jimmy buckets mais les Knicks ont le home field moi je trouve que les Knicks ont les meilleurs joueurs partout ben c'est ça, part ça à part Jimmy Butler les Knicks ont le meilleur point guard en Brunson ouais, à part Jimmy buckets ils ont le meilleur pourrais... ils ont le meilleur center bam mais si vous êtes meilleur il est plus connu mais Mitchell Robinson fait ses points fait ses il fait rebonds il, y a à il, fait, à il joue à la défense c'est ça live il joue mieux que Bam power forward power forward c'est Randall, Randall. quoi Randall les il fait des niaiseries, mais les, euh, Miami n'a pas de power forward Small Forward, les deux n'en ont pas. C'est Barrett, puis Butler à l'Edge, le là. Mais, mais ils ont quand même Josh Hart of the Bench, puis ils ont Quickly qui a... a gagné un Six Man of the Year, d'ailleurs. Oh, c'est Bogdan. Mais ils ont un, un, un Six yeah. Man of the Year candidate of the Bench. Mm. Puis après, il y a Jimmy Buckets. Mais il y a Jimmy Bucket. J je voudrais je, je, je continuer dans le hype. Euh. L'année <laughs> passée, ils sont allés dans le Conference Final contre Boston, justement. So ça pourrait être un rematch, Conference Final. Rematch Boston contre Miami encore. Ça, c'est pour toi. Moi, ça va être 76ers Heat. Être ah, 76ers, 76ers Knicks. Knicks. Un, un nouveau moi ah. ah. bah, J'aimerais ça aussi. Euh, next one, Suns Nuggets. Yo. Les gens, les gens vont dire Suns. J'aime pas Nuggets comme ça. Pour les Trusts. Mais. Oh, nice. Ouais, ils sont nice mais défensivement ils sont pas nice. Non, c'est Mais en même temps, ce que j'ai vu des Suns, les gars ont chocol contre les Clippers, oui. Nobody. Euh, c'est c'est le key piece dans, dans cette série là. Si Ayton peut pas jouer défensivement contre Jokic, ce que je pense pas qu'il peut faire. <laughs> si il peut pas prendre les rebonds, ce qu'il ne fera pas. Puis s'il peut pas venir faire comme OK, il y a pas besoin de faire, faire de points parce que tu as Durant puis euh, Booker, mais faut il faut qu'il soit capable de rebound puis, quand même, guard Jokic one-on-one. Parce que si tu dois double Jokic, c'est dead. Donc, oh, je vais aller avec les Nuggets en 7. Mm -hmm. En 7 Ouais. Mais t'as quand même beaucoup puis demain Les gars, on pas aller. Il ne faut pas, des, pas, faut faut pas, pas partir comme des, des punks. T'as raison, il ne faut pas oublier. <laughs> euh, c'est dur de prendre contre Jokic, mais c'est dur de prendre contre les Suns. Pis mm. plus euh. si c'était pas de j'aurais pris les Suns au of comme j'ai dit. Ah, S'il y avait un center, center. Ouais. S'il y avait un gars qui est comme. Yo, je peux te dire, ouais. Je, tu vois, comme. Yo, ok, je peux venir faire 27 points, mais tu vas pas avoir 18 rebounds. Ouais, c'est ça. Tu, tu vois, comme Looney fait pour les Warriors. Exactement. J'ai un gars qui, comme, il sait c'est quoi son rôle. Ethan ne sait pas c'est quoi son rôle. Il pense que c'est un all-star center. Il pense qu'il est un top guy dans la team. Non. <laughs> T'as juste besoin. <laughs> prends des rebounds. Rebound. rebound. Donc, Scotty Pippen. Yo, prends 15 rebonds. Fais 3 points, puis on va être heureux, bro. C'est pas grave. J'ai dit Scotty Pippen, mais c'est Rodman. Rodman, ouais, c'est ça. Rodman, that's si, it. On veut pas que tu fasses 15 points, là. 15 points, 4 rebonds. Non, c'est pas ça que je veux, toi. Je veux que tu fasses. Je veux comme... tu fasses l'inverse. 4 points, 15 rebonds. 3 blocs. Ça, on a besoin. tu n'a pas besoin de scorer, bro. On a deux men, puis pour euh, qu'il puisse faire tous et, les points. Et Chris Paul. Ah, même Chris Paul n'a pas besoin de scorer. Je... Non, je sais, mais. Il y quand même Chris Paul qui ouais, peut donner ça. un 20. Mais Youtube, c'est pas ça, ça. So... Like... Euh, dernière, ça va être euh, entre le gagnant des Warriors Kings. Que mm. moi, je pense que c'est les Kings. Toi, tu penses que c'est les Warriors. Euh, ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas, mais on va dire Warriors. Ouais, on va dire Warriors. Contre les Lakers de Laurent. Euh, contre qui tu dis qu'ils aura plus de problèmes Moi, je pense que les Lakers ont plus de problèmes s'ils prennent. Euh, bah, pour le dire, les deux teams. Peu importe c'est qui que les Lakers jouent contre. Durant la saison, ils n'ont jamais show contre ces teams-là. Mm, ça, ça va du sens pour le dire. Mais j'ai l'impression que les, les Lakers. Non, il peut pas il peut pas guard Fox non plus. Et moi, c'est dans, dans le paint avec Eddie. S'il joue contre les, les Warriors, je pense que Draymond Green a l'avantage. Juste parce que Draymond Green va rentrer dans sa tête. Il va lui dire à quel point il est soft, puis que c'est une bitch. Puis ne sera pas capable de rien faire, à Eddie. Puis de l'autre base, c'est Sabonis. Puis Sabonis, il est too much of a nice guy, man. Je le vois pas. Je le vois pas être méchant, je le vois pas euh, Sabonis, là, lui, dans ses playoffs off là, il a shrink. Il fait rien. Mm -hmm. Il est juste là, sur le court. Juste okay. là. Pour ça, je dis que je dirais, les Lakers ont plus de problèmes si c'est les Warriors que si c'est les Kings. Ouais, Moi, je pense qu'ils ont plus de problèmes avec les Kings. Parce que les Kings sont en gris. Les Warriors... -dead of a La, La, La dynastie commence à mourir. Ouais, les Warriors sont en train de... Comme... Ils sont en train de limp. Là. Ah, <laughs> ça. Ils sont blessés. Là. Euh... Non, Les Warriors live, tu vois, d'habitude, ils ont un dead line-up. Même ça, ils n'ont pas cette année. Genre. Comme, ils n'ont pas un line-up qui peut dire, OK, quand ces 5 gars-là sont sous le court, Yo, oui, il massacre ils tout le monde. L'année passée, il y avait le line-up avec Poole. Cette année, ça ne fonctionne pas. Wiggins, il vient de comeback, puis ça ouais. a été so-so. Puis, je pense, l'affaire avec les Anthony Davis, s'il joue contre, euh, contre Looney, il est capable de mettre Looney en fort trouble. Contrairement à, à Sabonis, qui est capable de faire quoi que so, ce soit. Je, moi, c'est pour ça. So, je prends seul le gagnant des Warriors. Kings contre les Lakers parce que Mais je sais, pourquoi j'aime les les Kings contre les contre les Lakers c'est les les Kings vont faire courir les les Lakers les Lakers, oh, les Lakers yeah. we know they hold. à un point ça va ça va les catch up vont plus courir mon Yo, gars J'ai vu le bon il a fait une game 20 points 20 rebonds la game d'après il a nos show comme il est écrasé <laughs> OK Yo, tu vois tu sais je joue contre les Kings et ils, ils vont savoir c'est quoi ils vont courir là ils vont courir beaucoup so. Euh, je pense que les Kings, c'est un match-up qui est plus tough que, que les Warriors. Euh, y a-tu un sujet que tu voulais racheter dans l'NBA? Nope, nope. Euh, on a passé pas mal sur toutes. Yep. So, on va aller hockey, real quick. Euh, si... C'est je vous dire le hockey. Moi, je suis pas un gars qui écoute le hockey comme ça. J'écoute juste en playoff de temps en temps. Puis les séries, elles sont nice. nice. Mm -hmm. les, les, toutes les séries sont compétitives, quand même. Il y a des séries qui ont fini hier, mais celle d'Islanders 2 n'était pas intéressante comme ça. Mais les séries sont... Il y a des upsets là. Il a... Comme il y a des buts. Il y a beaucoup de buts. Et, oh, comme les Lower Seeds, ce n'est pas, pas, pas des punks. Cette année, ils sont venus jouer comme... Tout le monde peut gagner. Euh, euh, je vous euh... avais dit moi que les Panthers pouvaient jouer avec les Bruins. Ouais, peut-être. savoir.. Mais les Browns ont bien commencé, puis Bergeron est revenu, puis tout d'un coup... Oh. Oh. Non, pas long, mon gars, ça va être Game 7. Game 7, tu penses qu'ils font le other way? Attends, c'est 3-2? C'est Game 7 ce soir. Des... OK. Non, c'est demain. Boston, demain. Bo euh, de demain. 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 Game 7, demain. Boston, Panthers. Puis, j'ai toujours, toujours dit que les Panthers, c'était une bonne team. Ils ont juste mal commencé la saison. Ils ont mal joué toute la saison. Puis, yo, je peux voir. Je peux, c'est pas la première fois que le top-seeded team dans la NHL ça, fait fait se fasse kick first round. So tu penses 3-1, comme c'était 3-1, puis ils perdent la série? Moi, d'après moi... So, tu penses pas à une team de vétérans comme ça, à vous se dire « eux ok, on retourne chez nous, on a joué deux vieilles games, on a fait, on a pu gagner la série, on a fait une erreur à la fin, euh, qui nous a fait perdre un outil, l'autre game, on a joué, on a joué comme la marque défensivement, il vont pas jouer comme ok, non, on va jouer du Blooms, Blooms, ok, demain! » Comme c'est... Si... Suis... Oui. Low scoring, Low scoring game. Là. Ils, vont jouer... ils vont jouer du Bruins Hockey demain, mais les Panthers, ils ont moins d'expérience, oui, mais sont aussi bons à pas ouais, mal non. toutes les positions. Mathieu très... Ketchok est en train de montrer que c'est un beast. L'autre est venu, comment ça s'appelle? Son nom. Pas Véregui, mais... C'est pas grave. Je, pense je suis <laughs> ah, je ouais, pas ouais. Un fan de hockey comme ça. So. J'ai pas besoin de me rappeler le nom de tous les gars, mais moi, je pense que les, les Bruins... L'avent c'est toujours le même, c'est le même trio. Ouais, ouais, c'est Pasternak, Marchand. Eux, ils ont besoin que ces gars-là, comme Carrie, la team. Carrie, la team. Euh, euh, c'est qui qu'ils ont dans? qui est blessé encore. Yup. Ils ont une coupe de blessés, mais tu euh, dis, ça c'est dans la NHL. Ouais, tu, tout le monde est blessé en playoffs. Tout le monde est blessé. Tout le monde est blessé en playoffs. Play so, mais moi je garde Boston. Cette, cette game-là les gars vont resserrer la ceinture. On dit yo, on est good. La game d'hier, était in... je sais pas si tu l'as écouté. Moi, je l'ai écouté au oui, complet. autre oh chose, C'était my... 2-1 pour... Euh, <laughs> 2 pour euh, Panthers, Panthers, après ça 2-2. C'est devenu 2-2. 3-2. Boston a fait un troisième but. Ils ont enlevé le but. 3-3. Boston a fait 3-3, 4-3. <laughs> puis là, Panthers est revenu 4-4, 5. <laughs> j'ai dit « Wow! » La game était insane. insane, insane. Euh, j'ai malheureusement pas écouté les Stars puis l'Avalanche parce que c'est un petit peu too late pour mon, euh, mon bedtime. Mais j'ai vu les highlights après. Euh, non, les Stars, euh, eux, c'est comme si ce match-là, si les Stars marquaient au premier, c'était fini, c'était tout. Les, les Stars ont marqué le 1-0, première période, Minnesota avait déjà, c'était fini, là, ils savaient qu'ils pouvaient plus gagner. Euh, c'était comme si, le, le, le plan de match pour les Stars, c'était vraiment de, ok, on met la pression feu sur eux, puis si on marque, ils savaient, en vrai, ils savaient que ah, les, les Wilds n'allaient pas revenir, ils n'allaient pas comme « fight ». Mais c'est dur de gagner une série quand ton meilleur joueur a été blanchi depuis Game 1. C'est là mon, mon point caprizov. Caprizov, caprizov, caprizov ouais. Il n'a il, il, il il a pas fait de points, il n'a pas fait de buts. Ouais, euh, ouais. so, comme je te dis, c'est dur c'est dur de gagner une série si tu n'es pas capable de marquer. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Euh, Colorado, moi, d'après moi... moi c'est la série que j'aime bien. Okay, <laughs> underdogs, Underdogs, Alec. Like. Toi, tu prends les Underdogs, mais moi... je. Moi, je fais comme, comme Real Madrid, je te dis, Colorado a la, la, le championship DNA. Le championship les... DNA, ils en ont gagné un. Ils en ont gagné un. <laughs> non, c'est pas DNA. C'est tough, aller back, to back, to back, euh, to back. Bro. Non, mais bon, je veux okay. dire, c'est pas comme s'ils ont gagné euh, comme deux ou trois championships dans les dix dernières années. D'accord avec ça. toi, mais je pense quand même qu'ils ont l'expérience. Euh, même si c'est pas la même team que l'année passée. Moi je suis je suis je suis. Un à... camp dog all the way. Je suis un the dog all the way, mais moi je te l'avais dit dès que j'avais vu le l'interview de puis ça a tombé, J'ai vu l'interview de, de fucking McKinnon. Puis il avait déjà, il était déjà découragé quand il a vu le capitaine était injured, bro. Il n'a il, 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 il il a, il pas, pas, dit je veste pas on, go, on we gonna win. Il était comme il était comme, shit, la tête baissée comme. So, déjà là, tu pars avec une mauvaise énergie. Les, les Kraken sont venus jouer, eux, ils n'ont rien, rien à gagner là-dedans. Ils ne sont pas supposés win. Ils se sont rendus en 7. Mm -hmm. euh, ils, ils, ils menaient la série. Puis, yo, tu joues la game. Yo. Moi, je suis le coach. Je dis, on joue comme on joue. Le, comme, on n'a pas besoin de forcer rien. Toute la pression est sur eux. Puis, ils se posent. Moi, je vais aller avec. Euh, je vais aller, même s'ils si perdent, j'allais vais aller avec le, 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 le under, fight. Le, le fight underdog. comme Fight underdog. Euh, last, last point. Ben, last point. On peut faire un petit peu les prédictions pour ce soir. Euh... Mais carte ma est revenu hier, non? Ouais. Euh, Il je... était suspendu d'une game. Ben je ne l'ai pas écouté la game, ça, je ne ouais. pourrais pas te le dire. Ouais. Mais s'il était suspendu d'une game, c'est sûr qu'il est comeback. Euh, ce soir, on va, commencer, on va commencer la game de 10h. Edmonton-Kings, qui tu prends? C'est quoi la série? C'est combien? 3-2? 3-2, Edmonton. C'est où? À ah, Edmonton. Non, ok, on va mettre Edmonton finir la série. Au ah, Kings. Kings. Ah. Oh, Kings. Ouais, je vais quand même aller à Edmonton finir aujourd'hui. Chez Kings. Parce que s'ils si vont en 7, bro. Ils vont choke le 7, le 7. Ouais, ouais, ouais. Fuck it. Moi, yep. je prends, moi, je prends les Kings, mon gars. Moi, je pense que les Kings. Ben, c'est pas un upset. Mais euh, je pense que les Kings vont, euh, vont beat ce soir les Oilers. Euh, Devils Rangers, moi, je pense que Devils finit la, la série ce soir. Il y a Devils en comeback, man. C'est fou. Mm -hmm. Mais en plus, je me rappelle au début, j'ai mis des Devos dans, dans mes notes pour gagner la série. Puis après, je me pourquoi j'ai mis Devos Parce que j'étais comme, les Rangers, c'était supposément la meilleure team. Les Devos ont gagné. À date, dans cette série-là, les teams vont toujours gagner au Way. Je pense que les Rangers peuvent. Upset. Upset. Mais la, 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 la game est chez eux. Ils devraient. De les... Ils devraient win. Ils devraient win, mais Comme, euh, comme aujourd'hui, tu mets. Je ne sais, sais pas c'est qui. Patrick, Patrick, in. Ils ont cherché Patrick, Patrick in. in. Tu mets Patrick, in shot Panarin. Euh, yo, les gars devraient comme non, ils devraient venir jouer. Ils ont un bon gars, ils ont un top gardien. S'il peut pas te sauver une game euh, pour aller en game 7, mm -hmm. à quoi il sert? Mm -hmm. On va aller, Rangers. Euh, last point, last game. On va y aller. On va dire, est-ce que le curse est still on pour les Maple Leafs de Toronto? Ouais, J'ai mis pendant deux secondes que Toronto a écrasé le curse quand j'ai vu c'était 3-1. <laughs> puis ils ont perdu la deuxième. <laughs> <laughs> Comme j'ai dit la, bah bon, en fait je l'ai pas dit la semaine passée ouais. parce que c'était pas arrivé. Tu nous l'as texté. Oui, Tim aurait dû déjà avoir fini cette game -là, cette série là. Ça aurait dû finir 4-1 ouais. cette série là. Il ouais. n'aurait jamais dû perdre en OT parce qu'ils gagnaient 4 à 1, ils sont allés perdre en OT 5 à 4. Ouais. Deux fois. Deux so, fois. Donc moi je pense que le curse is still on. Tim va gagner ce soir home. Puis ils vont jouer, d'après moi, euh, lundi. lundi. Je ne sais pas si le que c'est encore on, mais il est on pour aller en 7, comme Tampa Bay va gagner encore. Ils sont pas capables de close, man. C'est pas des closeurs Toronto. Ouais, pas des je pense qu'ils sont historiques de closing. Euh, ils sont haut et neuf. <laughs> Parce que c'est arrivé avec t'empa Bay l'année passée. Ils, 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 étaient, ils gagnaient 3 à 2. Euh, à, à 2. t'empa Bay a gagné deux autres games, ils ont gagné ça euh, arrivé contre canadien Canadiens, contre Canadiens... Ouais, ouais. Yo, putain, faut que pour les frère. Mais on les aime pas, on les aime pas, on les aime pas. Bruh, à je... quel point... Comme, tu peux pas avoir tous ces joueurs-là pis t'es pas oh. pas capable de close une game, bro. Euh, des joueurs, des joueurs oui. peuvent bien performer toute l'année, mon gars, puis choke en playoffs. Mais regarde, si je suis eux, là, rendu là, tu dois tuer un de ces pistes pour aller chercher un fucking gardien, bro. 100%. Boh. Comme, c'est rien d'avoir paquet de super scorers pis t'es pas capable de Ils ont, garder... oh, ils, ont euh, ils ont Ryan O'Reilly cette année proven winner, il a gagné à Saint-Louis, il a gagné partout où est -ce il est allé. Puis ça l'aide oui, mais à quel point ça l'aide, on va voir. Les gars, ont a besoin d'un gardien. On a besoin de satisfaction. ils ont besoin d'un de... gardien. gardien. Dans les net. It is what it is. Euh, tu peux remettre Samsonov euh, over 20. Tu as Tavares joue bien euh, Johnny T joue bien ouais. J'ai un ça c'est correct. Et Street Matthews. Tu traderais Matthews. Non, je tradite Matthews. Je traderais, uh -huh. traderais peut-être. En fait, je traderais, Math... non, je traderais... Je traderais Matthews avant Marner. Mm -hmm. Même si Matthews me donne 60 buts, je traderais pareil Matthews avant Marner. Parce que au moins puis et Johnny... John Tavares show up en playoff. Matthews, il y a eu une ou deux bonnes games, après on l'a plus vu. Ouais. Mais la fin avec les gardiens, des fois, ils changent d'équipe et pis... moyen aussi. So, so euh, pas mal ça pour aujourd'hui. Yep. Euh, on a passé sur tous ces sujets. Il euh, y avait une petite chose que je voulais rajouter euh, pour mes fans de soccer. Euh, Arsenal eu... choke. Oui, Arsenal choke. Ils ont perdu contre Man City 4 à 1. Bâton. Il y a aussi... Sorry, ma boy Laurent. Puis euh, non seulement ça, mais il y a eu un bid pour 5 billions de dollars euh, d'un acheteur de Dubaï ou euh, l'Arabie Saoudite, là, je sais pas où là, exactement, là, mais un acheteur seul qui a mis un bid pour 5 billions de dollars pour Manchester United. Je trouve ça absolument hallucinant comme nombre. Euh, Puis c'est vraiment ça. 5 millions pour jouer à FIFA Real Life. Nice. Yeah. Mais il, il dit qu'il y a des gros plans. Il dit qu'il veut changer il veut améliorer l'infrastructure, il y a plein d'argent pour investir dans l'équipe, pour acheter des joueurs, bla so, Tu as, as 5 billions pour acheter l'équipe, plus tu me dis tu as un autre stack d'argent à quelque part pour investir dans la team, je trouve ça je trouve ça débile man. c'est uh, c'est cool. affaire de des personnes riches. Oh. <laughs> Out of this world. Moi, oil oil money bro. Je rebuild mais je rebuild menu de FIFA bro. Newcastle uh, est arrivé, Man City est arrivé, là ils font Man uh, United. Uh, moi je trouve ça moi je trouve ça uh, ouais c'est fou, tu peux juste arriver puis acheter une team puis, oh puis dépenser tout plein d'argent. Ils n'ont mettre ils, devraient pas être, euh, ils ont c'est quoi Ils ont pas, un, y a pas de cap, il a, a pas de cap rien. Mais c'est pourquoi la faire de fair play d'abord Le si fair pas de cap. play, ça dépend de tes revenus que tu fais annuel avec ton stade, tes okay, billets, ouais. euh, ton merchandise, ton tes sponsorships, puis qu'est-ce que tu dépenses. C'est ça le fair play. So, le le owner peut dépenser 100 millions de dollars mon gars en n'importe quoi, puis après il peut aller dépenser 100 millions de dollars puis vont ils vont être, ils vont être Égal. Lucky, j'achèterais une team, mais qui pas une team qui devrait être hot, là, comme une team normale, mais j'allais, comme à Ajax, j'allais créer des prospects, comme ça j'aurais fait mon corps. Tu t'aurais fait du Ryan Reynolds, Et man, euh, c'est ça qu'il a ouais. fait. Ouais, je prends, je prends une team, une petite team. 2,5 millions. Je scout des bons team. joueurs, puis à chaque fois je les vends pour pas de corps Ça, j'aurais fait. parce que... Ryan Reynolds a acheté une team, 2,5 millions. Wrexham United, je sais pas c'est quoi le. Ils sont rendus rendu en fin. deuxième division Ils sont rendus en championship. Oui, euh, la ça, deuxième, deuxième, deuxième division en, anglaise, ouais. 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 Il va acheter les sénateurs. Ouais. ouais. Mais il va probablement acheter les sénateurs ouais. avec son groupe. Là. Ouais, son groupe, quoi. Donc, c'est tout pour SFB News. Uh, on se voit la semaine prochaine. Take it easy. Have a good weekend.